Salut les amis, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le féminin des noms. Commençons par les mots qui se terminent par « ien », comme le mot « un chien » et « un magicien », qui font leur féminin en doublant la consonne finale. Ça devient alors « une chienne » et « une magicienne ». C'est aussi le cas pour les noms qui se terminent par « en », « en », « on », « on », « elle », « el » et « et », « et », comme les mots « un chien », « une chienne », « un lion », « une lionne », « un professionnel », « une professionnelle », « deux L-E » et « un cadet », « une cadette ». Deuxièmement, passons aux mots qui se terminent par « et », comme un boucher, un boulanger et un crémier, qui font leur pluriel en « r ». Leur féminin donc, c'est une bouchère, une boulangère et une crémière. Troisièmement, les noms qui se terminent par « f » au masculin. Exemple, un sportif qui fait son féminin en devenant une sportive. Et finalement, les mots qui se terminent par un X au masculin, comme un époux qui devient une épouse.